Hop là! Et t'es sur Zensun BDX, Sounds on the Place. Donc, Pacific Sounds 3003, sur la place. Alors là, je vais chanter la version de Paradis de Ruby en a cappella, donc du début à la fin, donc faire du rap. C'est parti. Je suis un bon chérubin vivant dans le paradis de Ruby. De sa majesté, suis un bon chérubin vivant dans le paradis de Ruby. De sa majesté, obéissant à Jésus sous l'ordre du suprême, je me poste en face de l'arbre de vie, voulant empêcher la probabilité de l'éternité pour l'imperfection pécheresse des hommes et des femmes de la descendance d'Adam, car la postérité de la femme n'a pas encore vu le jour et la rançon n'a pas encore été payée. En conséquence, ceux qui mangeront de cet arbre vivront éternellement dans une condition de pécheur. Pour empêcher cet affront, je garde l'arbre de vie éternelle pour la durée de l'ordre donné jusqu'à l'arrivée du déluge qui ravagera ce beau jardin, ce pays où scellent les plaisirs de mon Dieu, ce pays où le fleuve de l'Euphrate est la boisson des humains, où l'or et le bdélium font foison, et où Jéhovah posa Adam et Ève, eux qui avaient pour mission de remplir la terre d'humains imparfaits, car à l'image de Dieu, Jéhovah le créa, mâle et femelle. Voulant voir la volonté de Jéhovah s'accomplir comme dit, j'obéis sans réserve à mon Dieu dans la vénature d'une réalisation réaliste et est réellement convaincu que sa souveraineté sera justifiée. La louange que j'offre à mon Dieu est gratuite et volontaire. Je ne demande pas à mon Dieu de me payer mon amour pour lui. Je l'aime et l'adore sans retour, sans une récompense souhaitée. Mon amour pour le divin est un amour authentique. Mes sentiments amoureux sont dignes et chastes. Mes sentiments amoureux sont dignes et chastes. Ce que je ressens pour Jéhovah est sûr et n'a pas été acheté auprès de la récompense. Car si j'aime mon Dieu pour le paradis, comment mon amour sera-t-il vrai? Si je l'aime pour la récompense, comment réagirai-je ainsi face à l'épreuve? Elle qui dévoilera le fond et la profondeur de mon immobile, je serai vu alors de mon entourage comme quelqu'un qui jouerait un rôle, le rôle du comédien payé pour obéir, le rôle de l'acteur principal du film au cinéma, du bandit qui attendait le moment de la récompense pour faire l'affront, le moment où le patron a payé pour le défier lui, le payeur. Comment mon Dieu pourrait-il me faire confiance? Comment Jéhovah acceptera-t-il un homme ou cette femme dans son jardin, le cœur tranquille et la confiance régnante? Dieu a amour précieux, veut des gens sur qui compter en cas de coup dur, comme un mari compte sur sa femme pour la fidélité, et comme un de coup tourné ne laisse pas l'adultère rompre les sacrés du mariage, instauré par le divin Jéhovah. Oh, comme j'aime mon Dieu! Le coucher pour le soir et pour Jéhovah, le réveil pour elle, ma femelle. Je parle d'elle en femme, étant donné que vous voyez un homme à votre face. La mort éternelle suivant à la vie actuelle ne sera pas une raison suffisante pour éteindre mes sentiments pour ma divine princesse. Oh, va, Jéhovah, elle que je vénère dans les profondeurs des abysses. Elle que j'adore dans le creux des ténèbres, paradisiaquement, Jéhovah. Je suis un bon chérubin. Attends, monsieur, attendez. Dans le paradis. Oh, excusez-moi, continuez. Oui, vous pouvez continuer. Mais en allant plus dans les aigus, c'est possible? D'aller plus dans les aigus de la chanson? Histoire de noter votre aigu dans la chanson. Est-ce que je peux faire la même musique, mais dans les aigus? Oui, mais continuez de là où vous êtes. C'était vraiment incroyable, monsieur. J'ai adoré cette chanson depuis le début où je l'écoute. Mais very nice. Very nice. As I said, est-ce que vous pouvez juste continuer la chanson de là où vous êtes, mais en montant dans un octave, si vous le voulez. Oui, alors. Monsieur Pacific. Oui, ben je recommence. Je suis un bon chérubin vivant dans le paradis de Ruby. De sa majesté, suis un bon chérubin vivant dans le paradis de Ruby. De sa majesté. Alors là, par contre, là, on passe pas. Bon, bref. Obéissant à Jésus sous l'ordre du suprême, je me poste en face de l'arbre de vie, voulant empêcher la probabilité de l'éternité pour l'imperfection pécheresse des hommes et des femmes de la descendance d'Adam. Car la postérité de la femme n'a pas encore vu le jour et la rançon n'a pas encore été payée. En conséquence, ceux qui mangeront de cet arbre vivront éternellement dans une condition de pécheur. Pour empêcher cet affront, je garde l'arbre de vie éternelle pour la durée de l'ordre donné jusqu'à l'arrivée du déluge qui ravagera ce beau jardin, ce pays où scellent le plaisir de mon Dieu, ce pays où le fleuve de l'Euphrate est la boisson des humains, où l'or et le bdélium font foison, et où Jéhovah posa Adam et Ève, eux qui avaient pour mission de remplir la terre d'humains parfaits, car à l'image de Dieu, Jéhovah le créa, mâle
et femelle, hein, voulant voir la volonté de Jéhovah s'accomplir, comme dit, j'obéis sans réserve à mon Dieu dans l'avenir sûr d'une réalisation réaliste, hein, et est réellement convaincu que sa souveraineté sera justifiée. La louange que j'offre à mon Dieu est gratuite et volontaire. Je ne demande pas à mon Dieu de me payer mon amour pour lui. Je l'aime et l'adore sans une récompense souhaitée. Oh, mon amour pour le divin est un amour authentique. Mes sentiments amoureux sont dignes et chastes. Hein. Mes sentiments amoureux sont dignes et chastes. Ce que je ressens pour Jéhovah est sûr, il n'a pas été acheté au prix de la récompense du paradis. Car si j'aime mon Dieu pour le paradis, comment mon amour sera-t-il vrai? Si je l'aime pour la récompense, comment réagirai-je face à l'épreuve? Elle qui dévoilera le fond et la profondeur de mes mobiles. Je serai alors vu de mon entourage comme quelqu'un qui joue un rôle. Le rôle du comédien payé pour obéir. Le rôle de l'acteur principal du film au cinéma. Du bandit qui attendait le bon moment. Le moment de la récompense pour faire l'affront. Le moment où le patron a payé pour le défier, lui, le payeur. Comment mon Dieu pourrait-il me faire confiance? Comment Jéhovah acceptera-t-il un homme ou cette femme dans son jardin, le cœur tranquille et la confiance régnante? Dieu a amour précieux, veut des gens sur qui compter en cas de coup dur, comme un mari compte sur sa femme pour la fidélité et qu'au moindre coup tourné ne laisse pas l'adultère remplir les sacrés du mariage instauré par le divin en Jéhovah. Oh, comme j'aime mon Dieu le coucher le soir et pour Jéhovah le réveil pour elle, ma femelle. Je parle de l'enfant, étant donné que vous m'envoyez un homme à votre face. La mort éternelle suivant ma vie actuelle ne sera pas une raison suffisante pour éteindre mes sentiments pour ma divine princesse. Oh, va, Jéhovah, va, elle que je vénère dans les profondeurs des abysses, elle que j'adore dans le creux des ténèbres. Paradisiaquement, Jéhovah. Je suis un bon chérubin vivant dans le paradis de Ruipi. De sa majesté, suis un bon chérubin vivant dans le paradis. Pacific Sound, Shaman Joa? Yes, Pacific Sound. I just finished the recording. Je viens de terminer le record, de faire l'enregistrement. Mm-hmm. Je vais le monter pour l'envoyer. Ensuite, c'était vraiment incroyable, monsieur, votre capacité à chanter est vraiment, comment dire, elle est vraiment touchante. Oui, oui. C'est-à-dire, en fait, comme je passe mes journées à chanter, donc maintenant, devenu chanter, pour moi, c'est devenu naturel. Toute la journée, je chante, les fans me payent pour ça, donc je vis comme ça, voilà. Toute la journée, je chante. Oui, vous chantez toute la journée, c'est vraiment incroyable. C'est le genre de profil que nous recherchons, monsieur Pacifique. Ben oui, je vis dedans de mes fans. Donc je ne travaille pas à côté. Le seul travail que j'ai à faire, c'est chanter pour les fans. Donc ben voilà, je reste là toute la journée. Voilà. Je vois. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas trop compris dans votre chaîne YouTube. C'est quoi? C'était ce que vous appelez le manger... avec l'amour, il me semble. Il faut que je retrouve la vidéo que